mes respects. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi avec tous ces cartons là? C'est rien, c'est des caisses de nerf gaz qui viennent du site biologique. J'en ai besoin pour mes expériences. Faut pas y toucher, c'est très dangereux. Ah, toucher un carton est dangereux. Magnifique. Si vous voulez savoir, c'est ça en fait. Oh là, non, c'est bon. Oui, voilà, donc c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit. Non, faut non, être... c'est bon. C'est pour ça que j'ai dit, faut faire très gaffe avec ces cartons là. Je vais les amener dans le laboratoire de toute façon. Ouais. Je mettez un coup de pied dedans, s'il vous plaît. Non, non, mais eh, hey, oh, hey, mais. Bon, je vous laisse. Non, je crois pas, non. Ouais, allez, laissez-moi travailler là. Je vous laisse faire, merci beaucoup. Super lourd en plus ces cartons là. T'as un de devoir transporter tous ces cartons de nerf gaz là, cette caisse de nerf gaz plutôt. Pardon, super chiant, j'en ai marre. J'en avais pas demandé autant là, il y a au moins une centaine de nerf gaz. Site biologique travaille beaucoup trop à mon goût. Ah, quel ADR, caisse. Putain, c'était lourd quand même, hein. On va pas se le cacher. Alors, je vais les ouvrir. Combien on a? On doit avoir une bonne centaine là. Hein. Oh, oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, il y avait pas une barrière de sécurité parce que là, il y en a un, il est con, il tape dedans et tout explose. Alors, je sais pas si vous savez, mais dans ces caisses, il y a des mallettes. En fait, c'est des mallettes à l'intérieur. Et c'est anti-balles et toutes ces conneries. Donc là, vous pouvez détruire les caisses, il y aura rien. Vous m'avez dit toucher, ce carton est dangereux. Oui, mais je sais, mais parce que vous êtes un directeur et vous. Non, mais. Magnifique. Laissez-moi travailler s'il vous plaît, allez emmerder d'autres personnes, là. Moi j'ai du taf là. Je vous gêne pas, allez-y. Directeur de merde. Ok, bon. Alors, faut ouvrir les cartons, ça va être long et chiant. Ah, tiens, c'est quoi cette pierre rouge là? Pas une herbe gaz ça, c'est quoi ce truc? Eh, salut Roger! Ouais, salut. Qu'est-ce que tu fais de beau, Roger, là? Je regarde le planning, mais avec toutes les conneries que vous avez écrites sur ce tableau, c'est compliqué un peu, non? Ah ah, qu'est-ce que t'es drôle, Roger! Ouais, si tu veux, ouais. Mais dis-moi, Roger, t'aurais envoyé la caisse de nerf gaz qu'on devait envoyer au site 8? Ouais, je l'ai fait il y a 2 jours, je crois, un truc comme ça. Ah génial, parce que en fait je pensais que tu l'avais pas fait et que j'allais me faire engueuler hein, comme d'habitude. Oh, what the fuck, c'est quoi ces rires là? What the fuck? Oh, t'en fais pas Roger, c'est rien. Ok, d'accord. Et sinon Roger, t'aurais pas trouvé la petite pierre rouge là, genre je crois que c'est un nouveau SCP. Je pensais l'avoir mis dans la caisse de nerf gaz parce que oh bah je sais pas, parce que j'avais envie. Ah, je l'ai envoyé moi à la caisse, hein. Donc c'est le site 8 qui l'a maintenant, la petite pierre rouge. Hein. Ah bah pas de soucis Roger, je vais faire un petit message qui dit que faut pas toucher à cette pierre parce que c'est un SCP quoi. Ok, tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Laisse-moi travailler maintenant. Ok, au revoir Roger, c'était cool de te parler. Ouais, au revoir. Pauvre con, va. Y'a que des débiles ici, putain. Oh, 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 arrêtez de rigoler, putain, là. On n'est pas dans une putain de sitcom. Ok? Hein? Nous, on fait des trucs sérieux, ici. Je sais pas, est-ce que je la prendre? Ça doit pas être dangereux si ça doit être dans la caisse. Ah, ma main, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle! Ah! Oh, qu'est-ce qui se passe? Je me suis transformé en genre de monstre de feu! Oh, putain, c'est quoi ce délire? Vite, faut que je la lâche. Vite, faut que je la jette. Casse-toi la pierre. Waouh! Putain, je me suis instantanément transformé en moi-même. Oh, c'est quoi ce délire là? Oh, elle est où la pierre? Je me rappelle l'avoir jetée. Elle est où? Merde. Ah! Pourquoi elle est collée sur ma main? Ah! Oh fuck. Oh fuck, je vais encore m'attirer des problèmes moi. Ok. Faut que personne voit la pierre sur ma main là. Je vais mettre un petit gant. Personne le verra. Faut que je trouve un moyen d'enlever cette pierre. J'espère que je vais pas me transformer à des moments inopportuns. Putain, j'en ai marre que ça m'arrive toujours à moi ces conneries là. Heureusement qu'il y a personne et les caméras sont cassés aujourd'hui je crois. Ouais, elles sont cassées, ouais. Je travaillerai sur le nerf gaz plus tard. Le chimiste a peut-être un truc pour m'enlever ça là. Bonjour directeur. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas. Oui, encore bonjour. Enfin, ça fait quand même 3 fois dans la journée qu'on se dit bonjour. Enfin, même dans la journée, en juste 10 minutes quoi. Ouais, ouais. Bon, attendez, j'ai eu un problème, je suis occupé. Allez, au revoir. Hein. Le chimiste là. Oh, décaché. Amnésique, putain, y'a que des amnésiques. Aïe, aïe, aïe. Il me faut des... Au pire, je vais essayer de me l'enlever moi-même avec des... Oh, ça va faire mal. Bon, regarde l'autre, là. Il me suspecte déjà, là. Salut, salut. Pauvre con, va. Allez. Qu'est-ce que je le hais, directeur? Ok, bon. Je vais essayer d'enlever la pierre incrustée sur ma main. Moi-même. Ça va faire mal. Oh putain, ça fait mal. Ok, je suis en train de saigner partout, c'est pas bon, ça. Ok, rappelle-toi que tes cours de...
Mais j'ai pas fait, j'ai un doctorat, mais je suis pas docteur, bordel, je suis scientifique. Et j'y suis presque. Je l'ai bientôt enlevé. Oh putain, non, pourquoi je me retransforme? C'est quoi ce délire? Putain, ok, faut faire gaffe. Je peux cramer les choses, je pense, donc on va éviter d'aller. Oh putain, je comprends pas ce qui se passe. Faudrait que je trouve de l'aide, j'arrive pas à l'enlever moi-même. Ok, je vais essayer de me retransformer. Concentre-toi, Ninjax. Pense à la vie humaine. Oh, ok, c'est bon, je me suis retransformé. J'ai l'impression que je peux contrôler mes transformations, mais c'est compliqué, hein. Il me faut de l'aide, là, il me faut de l'aide. Tout seul, j'y arriverai pas. On va pas aller voir ce compte directeur. Hey, Ya. Tu peux me dire où est le commandant, s'il te plaît? Oui. Ok, merci, c'est bon. Commandant. Mon chercheur, vous savez quoi? On a lu votre expérience, puisque là, vous avez deux gardes qui viennent de tirer sur une clarité sans aucune raison. Bonjour, j'ai besoin de vous parler, commandant. En urgence. Il est tué. Ah, oui. Venez dans mon bureau. Vous s'il vous plaît. Allez-y, rentrez. Ok, bon, alors. Est-ce que vous savez tenir votre langue? Ici, il n'y a pas de caméra, donc on peut parler en toute tranquillité. Vous savez, j'étais en train de travailler sur un projet du site biologique qui nous avait envoyé des nerfs gaz. Vous savez ce que c'est que le nerf gaz? C'est ce petit bijou là. Ok, bon. Voilà. Et donc, il m'avait envoyé 5-6 caisses de nerf gaz remplies. Sauf que, comment dire, dans ces caisses, il y avait du genre de pierre rouge. Je l'ai touché sans faire exprès et on voulait voir ce qui s'est passé. Oui. Je vous conseille de reculer un peu. Ok, hein, vous affolez pas, ok? Je vous fais confiance. C'est... Regardez, je vais enlever le gant. Vous voyez, il y a les pierres rouges incrustées dans ma main. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à l'enlever. Ça m'énerve d'ailleurs. Et vous êtes prêts? Oui, je suis... Enfin, je sais pas. Moi, je me suis retransformé. Voilà. Bon, reculez, parce que je crois que je peux vous cramer. Contrôler. Ouais, je peux contrôler ma transformation. Ça, c'est ce que j'ai appris tout à l'heure, mais faites gaffe, je crois que je peux. Je contrôle pas les pouvoirs. Je sais pas si j'ai des pouvoirs, mais je suis fait de feu là. Tu t'es même approché, oui. Ok, hein, vous cramez un peu là. Ah. Ok, reculez, je vais cramer la bibliothèque aussi là, putain, attendez, je me détransforme. Ok, c'est bon. Oui, voilà, oh là, ça fait mal. Hein. Oui, donc voilà, pour vous dire, j'ai cette pierre incrustée dans la main et je sais pas quoi faire. J'ai essayé de l'enlever, quand je l'ai enlevé, il y a une explosion un peu, genre comme s'il voulait pas que je l'enlève. Vous pouvez essayer de couper votre main, hein. Ah non, oh, c'est mon outil de travail, on coupe pas ma main, vous êtes fous, vous, ouais, oh. Un robot, si vous voyez ce que je veux dire. Ah non, je veux pas une main de robot, vous êtes fous, vous, ouais. Bon, si je vous l'ai dit, c'est que j'ai besoin de votre aide. C'est pas que je vous l'ai dit, attendez, les petits malins, là. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Mon expérience. Vous êtes mon spoiler. Sur qui? Sur 96, voir si... Sur 096. Et c'est quoi le but de l'expérience? C'est lui prendre une seringue, lui piquer un peu de sang, juste analyser le sang après. Ok, accordé. J'ai peur d'exploser à tout moment. Par exemple, là, j'ai eu peur de me transformer. Déjà, on va aller tester mes pouvoirs, entre guillemets. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre deux de vos hommes de confiance, ok? On va aller au Wondertainment. Et puis voilà, on va tester ça. Et prenez deux classes D aussi, comme ça on va pouvoir tester ça. D'accord, si vous voulez. Hein. N'en parlez pas au direct. Ouais. Bon, n'en parlez pas au directeur parce qu'il va me classifier SCP, ça j'ai pas vraiment envie. Et puis voilà. Allez-y. Moi aussi je vous fais confiance. Allez chercher deux classes D, deux de vos hommes que vous faites le plus confiance vous aussi. Et puis voilà, je vous rejoins après. Oh putain. J'aurais peut-être pas dû lui en parler. Il va me dénoncer, hein, je le sens. Hein. Ok. Hop. On désactive la dernière caméra. C'est bon. On me casse la gueule, moi. Ah, parfait, commandant. J'avais dit 2 UT, hein. Je sais pas pourquoi il y en a 3, mais bon. J'en ai pris 2, mais il y a le 3ème qui est arrivé. Bon, je sais pas. Ah, ok, ouais, bon. Je me suis perdu. Enfin, pas perdu, mais. Ouais, taisez-vous là. J'ai désactivé la dernière caméra. Vous savez, voilà quoi. Allez, on peut commencer. Les classes D, allez au fond, s'il vous plaît. Allez au fond, là, allez. C'est pas compliqué, hein. Vous marchez tout droit, voilà, là, au fond. Voilà. Vous là, je vous explique, vous allez sans doute voir des trucs que vous devriez pas voir, c'est normal, hein. Si vous êtes là, c'est parce que le commandant a confiance en vous, donc vous écoutez ce qu'il dit. On va commencer nous. On va commencer avec 73-517, tu vas venir avec moi. Oui, tu vas rentrer à l'intérieur là. Je vous invite à venir quand même pour surveiller les classes D, hein.
Je vous conseille aussi, bah je vais être à l'intérieur, donc si vous pouvez vous... Fermez pas la porte derrière moi par contre. Ok, bon classe D, va au fond de la cellule là-bas là. Je vais tester des trucs sur toi là. Alors ne bouge pas, ok. Un peu de concentration. Si... Ok, transformation réussie. Alors... Ok, c'est bon. Quand je m'approche de lui, il crame. Tu sors pas d'ici, tu restes là, tu vas cramer par les feux de l'enfer. Je deviens trop sali, quoi. Mais je veux te sortir. Ok, il est mort. Ramenez le deuxième classe D, je vais tester autre chose. Ramenez le deuxième classe D. Fermez la porte, là, pour votre sécurité. Ça va peut-être exploser, là. Ok, bonjour. Tu m'entends, toi? Pas comme ton pote qui parlait pas, là? Oui, oui, oui. Ok, je vais tester un truc. Oui. T'en fais pas, il y aura sans doute pas de danger. Ok, je vais essayer de lancer une boule de feu. Boule de feu! Oh putain! Ok, c'est un peu plus dangereux que je ne le pensais. Ouvrez la porte, je vais me détransformer. Oh, ok, c'est bon. Ok, bon. Ok. Alors, je crois que c'est un SCP que le site biologique a oublié de dire qu'ils avaient foutu dans la putain de caisse. À cause de ça, il est collé dans ma main. Faut trouver un moyen de l'enlever. Un moyen... Non, non, mais arrêtez de vouloir couper ma main. Déjà, vous calmez, vous arrêtez de vouloir couper ma main, là. Oh, non, mais oh. Kevin, ça vous fait un truc... une sensation de... pour pas couper la retirer. Alors, j'ai essayé de la retirer avec des outils du style scalpel. Ça m'a fait plus de mal et ça m'a auto-transformé et ça fait une grosse explosion autour de moi. D'ailleurs, faudrait pas aller dans le laboratoire. Voilà. Donc, putain, je sais pas quoi faire, moi. De trouver des solutions, bordel. Du terre, j'ai réfléchi, moi aussi. Mais... On met plusieurs essayez... sur la main pour voir si ça se décolle. On peut commencer avec de l'eau, de l'huile. Est-ce que, essayer de tirer dessus, c'est peut-être con, mais ça va peut-être réagir. Attendez, okay, vous avez un sniper, vous êtes parfait. On a un classe bien de le faire dans une cellule. Tirez sur ma main, pas sur moi, hein, sur ma main. Vous voulez que je tire sur votre main? Sur la pierre, vous tirez sur la pierre, vous visez la pierre. Ouais. Ok, regardez, allez-y. Tirez dans la main. Non, non, je suis beaucoup plus précis là, touchez pas. Ah, pauvre con, vous m'avez tiré dans le bras! Pauvre con! Ah, ça fait mal! Eh bien! Eh, c'est censé être un sniper ça! Mon cul, ouais! Oh, attendez! J'ai plus mal! C'est pas normal ça! En plein milieu de la main. Ah non, vous m'avez tiré dans le bras, hein. Bah regardez, il y a belle trace là. Par contre, pourquoi j'ai déjà plus mal? C'est pas normal ça, oh. Non. Attendez, retirez-moi dessus. Eh, tirez-moi dans le ventre. Ok, c'est bon, j'y crois dur comme fer. Allez-y, c'est un ordre. Dans le ventre. Allez-y. Bien sûr. Ah, ça fait super mal, mais je suis pas mort. Ok, bon, je crois que j'ai eu des capacités avec cette pierre là. La capacité commandant. De me régénérer ou un truc comme ça, non? Commandant, voilà. Ça part en couille, j'ai pas envie d'être classé SCP, putain. T'as qu'à couper votre main, ça peut faire du mal. Non, je couperai pas ma main. C'est. Ah ouais. Mais on peut mettre c'est un quoi, je suis un artiste, on va pas m'enlever mes pinceaux, oui, est-ce que je veux dire? Ok, là, touche compte. Me faites pas répéter. Je pense que vous avez vu ce que je peux faire là. Allez, vous avez toi aussi, tu vas contre le mur. Là. Moi aussi. Ok, bon. Pour le moment, on va dire que rien s'est passé, ok? Hein? Ok, on est tous d'accord là. Effectivement. Ouais, effectivement, ouais. Parce que s'il y en a un qui balance, je le brûle. Et je brûle toute sa famille. Ok? Eh, j'entends rien là. Super bizarre. Bah, vous avez ma parole que vous me dites rien. Super bizarre. Ouais. Ouais, parce que j'ai pas envie d'être classé SCP, ok? Et si vous complotez derrière moi et que vous allez voir le dirlo là, je comprends bien. Bah je crame tout le site, ok? D'accord. Ouais, je préfère, ouais, ok, bon. Ok, bon bah, ah, super expérience, je vais vous laisser. Je vais aller dans mon bureau voir si j'arrive pas à l'enlever par tous les moyens. Sur ce, messieurs, vous pouvez retourner à votre occupation. Okay. Sauf toi, là, toi tu vas rester avec moi, toi, là, lutter, là. Aïe. Allez, vous, les trois autres, vous pouvez y aller. Okay, bah merci, bien. Normal, allez, hein. On a aucune idée. Hein. Eh, vous balancez pas la mèche, hein, j'ai confiance. Je réponds quoi au l'IA, là, par contre hein. Vous lui dites qu'on a fait une expérience sur lui, là. J'ai oublié comment il s'appelle, là, d'ailleurs. Là. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, je suis gentil, moi. Non, toi, tu t'es... Eh, toi, à la base, j'avais dit 2 UT, et toi, tu t'es ramené, là. On va gentiment attendre qu'il ferme la porte. Ouais. Si, c'est vrai. On va gentiment attendre qu'il ferme la porte et puis je vais faire en sorte que ton silence soit obligatoire en fait. Parfait, je vais pouvoir continuer à tester mes pouvoirs. Je te conseille de fuir vite parce que moi je vais pas prendre beaucoup de temps à te tuer, tu sais.
Bon, j'ai peut-être un peu abusé là, on va pas se le cacher. Vite, on se détransforme. Oh, ça fait toujours un petit mal, putain. Oh putain! Oh putain, il y avait. Ouais, dans les caisses, dans les caisses, dans les caisses, je crois que c'est le nerf gaz qui a explosé, putain! Ouais, il y avait. IA, dans le nerf gaz, c'est le nerf gaz qui a explosé, j'ai rien pu faire, la zone est contaminée pendant au moins 5-10 minutes là, faut que personne ne rentre. Ok, je vais vous laisser moi, hein. Faut que je trouve un putain de moyen d'enlever cette pierre! Oh.